YouTube Greu, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien, on est back. De retour aujourd'hui, messieurs dames, pour l'épisode 21 de notre aventure, toujours sur The Last of Us. Partie 2, c'est la claque, c'est l'aventure. J'aime trop ce qui se passe, on aime trop ce qui se passe. On est de retour, messieurs dames, en compagnie de Liv, actrice de Wish, Yara, à qui il manque un bras, lol, ça fait une rime. De retour, messieurs dames, en plein milieu de quelque chose de compliqué, on se rapproche du camp des Séraphins. La guerre est sur le point de commencer, si elle n'a pas déjà commencé. Tout va péter. Donc, on va vers quelque chose de très dangereux. Liv va retrouver sa maman. Elle est morte. À partir de là, c'est technique, en fait. Donc, on arrive à sortir de là. C'est le troisième jour de Seattle, si jamais. Donc, c'est bientôt le présent. On va bientôt avoir rattrapé Ellie. Et donc, on va bientôt pouvoir connaître le fin mot de toute cette histoire. Oula, 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 oula. Ça y est, ça pète dans tous les sens. Ok. J'aurais bien envie de dire que les zombies, c'est terminé, mais en même temps, je suis pas trop sûr. Donc, on y va, mollo. Mollo lastico. Ok. On vient de buter une tonne de ces saloperies. C'est quoi le plan? On dirige vers la capitale. Des villages très méchants avec votre... Hey, venez tous par ici. Le problème, c'est que là, on va se battre contre et les wolves et les séraphins, en fait. Parce que si les wolves, ils nous voient là, toutes seules, accompagnées de séraphins, ça va être la D. Ils vont même pas chercher, en fait. Ils vont même pas chercher. La porte, vite. Ok. Non, bah, c'est bon. Ah, du farfalin. Il me manque quoi pour faire un médic? Il me manque de l'eau. Yes. Me faut de l'eau. On est en train de les abandonner. On peut rien faire pour eux. Je sais. Reste près de moi. Abandonner qui? Les Séraphins? Eh les gars, au bout d'un moment, vas-y, c'est leur guerre, c'est leur problème. Que ça soit les wolves ou les Scar. Hein. Il faut quitter la... Non mais voilà, flemme. Mais en fait, techniquement, les wolves sont plus forts. Parce que bah ils ont les armes militaires. Les Scar, bon. Abby. À l'exception de un ou deux fusils, ça s'arrête là, je crois. Hein. Ils ont pas plus d'armes que ça, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est un massacre. Un massacre. Ah, damn. Oui, pardon, je me laisse dépasser par ce qui se passe. Allons-y. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, welcome back. N'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Twitch pour la suite de l'aventure. La qualité est meilleure là-bas. On discute entre Kazma. Rejoignez le clan. Pourquoi je peux pas allumer ma lumière? Oh, 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 oh. Ok. Il se passe quoi s'il me voit? C'est la merde? Ok. Nickel. Nickel. J'ai plus accès à ma torche. Ah, si, c'est bon. Est-ce qu'on peut les éviter, ces types? Ouais, on prend un autre chemin. Let's go. Bon alors attends, parce qu'on est doucement en train de redécouvrir la civilisation là, ça fait un moment que j'ai pas vu de coffre. J'aime bien moi les coffres. Les coffres c'est le petit feu. Oh yes! Putain je me suis refait en flèche. The fuck? Quand est-ce que je me suis refait? La ruelle de l'autre côté. Allez. Attendez. Je finis de checker. Ouais c'était la loose tout du long dans l'épisode précédent parce que j'ai pas réussi à gérer quelconque phase. En fufu, et là, là, tu me dis que j'ai ce qu'il faut en mune. Le petit feu, hein. Par contre, les gars, pour trouver les pièces à partir de maintenant, compliqué, hein. Je joue toujours le jeu, mais... Oula, 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 c'est chaud. Abby, on a besoin de toi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Faut soulever des gens? Ah oui, d'accord. Ouais, faut soulever, mais pas soulever des gens. Allons-y. Allez, on se dépêche avant que ça pète. On y va. Showtime. J'en sais rien. Avance, c'est tout. Putain, j'ai eu peur. Ah, l'éclair, j'ai cru que c'était un gros projo. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, j'ai cru que j'étais dead. Mais du coup, j'arrive pas à savoir. On a rejoint l'île ou pas? Parce qu'on la voyait de loin et j'ai un peu contourné le truc. Je suis pas sûr. Hein. Mais si jamais on y est, je pense que en termes de zombard, on est tranquille. Hein. Ok. Ok.
Vas-y Atreus. Atreus, bah vas-y. Par ici. Tu sais, j'ai lancé sur TikTok. C'est ça. Oh merde. Oh merde. Oh, ça commence. Abby. Yara. Yara, debout. Écoute-moi, venez. Yara, je t'en prie. Eh, faut toi y aller. Non. Allez. Non. J'ai vu quelqu'un. Je peux pas la laisser ici. N'approchez pas. Lâche ton arme, allez. Oh merde. Et Abby, vous approchez pas. Ça suffit. Isaac. Qu'est-ce que tu fous, bordel ? Il faut que tu m'écoutes. Qui tu caches derrière toi ? Il m'a sauvé la vie. Écarte-toi, on discutera à la base. Il est pas avec eux, je te le jure. Écarte-toi. Mais putain, c'est un enfant ! Tu as 3 secondes pour t'éloigner de ce Scar. 1. Tu vas vraiment me tuer ? 2. Je bougerai pas, compris ? Non ! Putain de merde ! Tu es là ! Lève, on doit y aller. Elle est morte. C'est pas vrai, elle est morte. Lève, allez. C'était ton putain de groupe. C'est toi, mon groupe. Écoute-moi. Il va falloir qu'on se batte pour s'en sortir, ok? Et ensuite, il faut que tu nous mènes au bateau. On laissera personne nous arrêter. Ok? Ok. D'accord. Suis-moi. Oh, c'est dur, c'est dur! Putain, ce scénar a le pouvoir de partir en couille si vite! Ah mon dieu! Donc, Yara, Isaac, dead. Prends tout ce très bien. Bon, bah là, les fortes têtes ne sont plus. Putain, merde! Ah la vache, ça a déconné en 5 minutes! Ça a déconné en 5 minutes! Et là, là, pour fuir les gaz, ça va être un calvaire. Ok. Bon, je viens de me refaire des médics. N'est pas trop mal. Le pompe. Putain, j'ai des balles avec le pompe en vrai. Je joue plus avec donc. En même temps, ça marche pas contre les infectés. Mais oui, contre les humains, c'est pratique donc allons-y. Hein. Pauvre Liv. Par contre, AB qui dit que son groupe c'est Liv, c'est adorable. Ah bah oui, hein, bah écoute, elle fait ce qu'elle peut. Hein. Au bout d'un moment, là, elle se sent trahie par tout le monde. Hein. Puis plus personne voudra écouter de toute façon. En fait, Liv il est encore trop jeune. Oui, il est adulte pour certains trucs, mais il y a des choses sur lesquelles forcément il a pas la mentalité. Et le rendu est chelou. Non mais vous m'aurez pas les gars, hein. Vous m'aurez pas. Hein. Non mais attends, t'es obligé de te faire griller ici. T'es obligé de te faire griller. Juste le temps de se cacher, j'étais déjà mort. Ah ah. Il y avait pas un autre bougre? Vas-y Atreus! Vous savez ce qui serait grave cool? Pour les modes bonus. Ah merde! Ce serait de pouvoir choisir les persos qu'on joue pour telle phase. Ça, ce serait trop bien. En vrai. Ah! Ok. Tu sais, genre, tu choisis d'être full solo. D'être full solo parce que tu veux pas être accompagné d'un PNJ. Ou alors, enfin d'une IA, on s'en fout, c'est la même en soi. Ou alors, ouais, tu choisis de jouer AB pour les passages des livres ou l'inverse, pour avoir certaines armes. Ok. J'ai un pompe, hein. Ah, oh. Oh putain, je suis mauvais, hein. Ah la vache. Cassos. Cassos. Ah, oh, y'a un truc. Ah putain, je l'ai entendu. Ok, ils sont nombreux, hein. Let's go! Moi aussi je joue! Oh, to shoot! Restez à couvert! To shoot! Oh
Oh, t'es mort, arrête mec, je t'ai pris un souffle d'explosion et un pompe. Normalement, t'es mort plus que ça déjà. Trop loin, trop loin. Là, ils vont me dire que c'est pas bon. Putain. Oh, merde. Ah putain, ah ouais, non mais vraiment, ils jouent avec des grenades maintenant. Ils ont plus notre temps en fait. Vas-y, 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 Atreus, je compte sur toi. Ok, let's go. Il en reste. Ah oui, il en reste. Ah oui, il en reste vraiment en plus. Ok. Vas-y, monte ta tête. Monte la tête. Monte la tête. Gros, ton sac à dos, ça va pas faire des dégâts. Hein. Enfin, je crois pas. La tête. Oh, je te parle. Eh bah putain. Ah mon dieu, tellement de balles. Bon attends, y'a quoi par là du coup? Piouf. Bah dommage qu'il n'y ait pas de claqueur. Si on en part du, si on part du principe que c'est un peu RP et que là on est chez les Séraphins, techniquement les gars, pour être safe, ils ont dû nettoyer la zone. Donc en fait tout ça là, c'est des zones qui ont déjà été visitées de toute manière. Donc ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que la zone soit palpable. Bon, pas la tête. J'ai vu la tête. J'ai vu la tête. Ok. Donc en soi, si, c'est normal qu'il n'y ait pas de zombies en fait. Ou alors peut-être qu'à un moment, on va trouver une porte qui est condamnée. Et on va l'ouvrir et on va déferler les ténèbres sur ces lieux. Parce que tu sais, c'est le piège ultime au cas où les Séraphins ils se font envahir. Et que genre Liv, il est au courant. Putain de merde. Ça joue sur la diagonale hein. La tête je la vois. Je sais pas si je l'ai eu. Je sais pas si je l'ai eu. Ok. Ninja. Ninja ninja. Ouais, on est d'accord hein. L'île elle est censée être épurée. Mais l'île elle est pas détachée du reste en fait. Genre on est vraiment sur un bout de côte. Merci beaucoup Pac-Man pour le follow, bienvenue. On est sur un bout de côte qui a été fermé, genre ils ont fait des espèces de barrages. C'est ça qu'ils appellent une île, mais on n'est pas sur une vraie île en soi je crois. Enfin, c'est pas l'impression que ça me donne en tout cas. Ok. Notamment parce qu'on est arrivé à pied en fait. Après non, je viens de réfléchir mais techniquement il y avait un pont. Une route qui avait été faite, ça se trouve on est passé par là. Hein. Alors quelque chose me dit que ça c'est la suite. Allez, let's go. Ouais, tant pis, c'est pas grave, je suis pas allé en haut, c'est pas grave. Allez hop. Youh. Ok, heureusement que ça fait longtemps que j'ai pas fait les bras. Hein. T'as tué ce wolf. C'est pas important. Faut comprendre cette île. C'est par où? Il y a une station radio tout droit. On peut la traverser. C'est encore loin d'ici, Evan. Il reste pas mal. Putain. La météo qui fait tout le travail. Hein. Là, sans météo, pas d'ambiance en soi. Hein. Oh les gars, les gars. Ok. Ok, bon, je faisais un point sur le matos, mais en soi, ça va. Hein. Allez. Plus de bombes. Bon. Ok, échelle. Et c'est tout ce qu'il y a. Allons-y. Allez, Atreus. Allez, motivation. Allez, sois sympa. Merci. Let's go. En vrai, j'arrête pas de retirer mon silencieux en me disant que de toute manière je suis spotted ou quoi, mais vu que je continue de me la jouer fufu, je devrais peut-être. Non, vas-y, laisse. Au pire, je le remets quoi. Attends, il est à l'intérieur. Ah oui. Bonjour. Établi. Ah, établi. Attends. Attends, 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 attends. Tac-tac, les médocs. Prends tout ce qu'on peut prendre. On a combien de pièces? 100. Putain, on peut faire des trucs. Allons-y. Bon,
Ça donne quoi ? En fait, au final, on joue autant avec Ellie qu'avec Abby. J'ai l'impression, en tout cas. Je me tâte entre genre la stabilité pour cette carabine là ou pour les dégâts. Parce que le 3 coups de toute façon je m'en fous un peu. Je m'en sers juste comme carabine de précision, donc à part les têtes j'en fais pas grand chose. Alors que avoir plus de 3 balles dans le charge. En même temps je m'en sers de loin, je m'en sers pas de près. Et le pompe en termes de munitions. De base, je m'en sers pas. Je sais pas. Vous préférez plutôt la stabilité ou les dégâts? Parce que là, je sais pas trop. Attends, j'ai 100 points. Attends, s'il faut, je peux peut-être faire les deux. Les dégâts, c'est 60. Oh, sympa, ça. Donc, attends, c'est 60 les dégâts. Et la stabilité, c'est combien? Ah, les bâtards, ils m'ont 10 points. Il manque 10 points. Non mais en vrai ouais. Bon du coup c'est un fusil semi-auto mais moi j'ai une carabine. Hein. En gros c'est la carabine d'Eli. Let's go. Ok. Donc là elle est plus stable. Putain mais il y a même de l'eau. Il y a des particules d'eau sur mon arme. Mais excusez-moi en fait. Le niveau de détail me rend malade. Alors c'est pas palpable, hein. Si jamais vous touchez votre écran sur le stream, malheureusement la qualité est pas assez bonne pour le voir. Par contre toi YouTube, si jamais tu regardes en 2K, en rendu max, tu le vois, hein. C'est incroyable. Hein. Bah du coup, attendez. Parce que si je peux pas prendre les dégâts, peut-être que je peux quand même prendre autre chose. Augmenter la vitesse de rechargement. Allez, on y va. On y va. On prend tout ce qu'on peut prendre. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs dames. Non mais regardez-moi ce niveau de détail. Oh là 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 là. On est bon. On va voir du coup le pompe. Ok, bon on le voit quasiment pas, mais normalement il y a une espèce de couleur jaune au niveau du coude presque. C'est les munitions en fait. Les balles normales et les balles de feu. Ok. Non, je vais pas l'améliorer. Par contre, dès que j'ai de l'eau, si je peux me faire une grenade, ce serait pas mal. Parce que là, je vais commencer à en avoir besoin. J'en ai utilisé quoi, 2 ou 3 face au wolf? Oula! Oh putain de merde! Oh la vache! Lev, ils sont où les bateaux? Au ponton. Derrière les incendies. Alors il faut qu'on y aille avant qu'il soit trop tard. D'accord? Ouais. Pas question qu'on crève sur cette île. D'accord. Allez, on y va. Bordel de merde. Mais ce jeu et cette qualité de travail. Vraiment, vous avez une play chez vous et vous avez pas joué à The Last of Us? Ok, expliquez-moi pourquoi. Y a pas de problème, on y va. Après, si c'est parce que vous avez du mal avec les shooters, je peux comprendre. Si vous avez peur aussi de ce que je peux vous proposer aussi, je peux comprendre. Mais au-delà de ça, si c'est ni l'un ni l'autre, les gars, dites-moi. Là, je veux savoir. Ok, alors attendez, on arrive en plein milieu de la guerre. Ah yes, et ben let's go. On arrive en plein milieu de la guerre. Putain de merde. Côté Séraphin. Mais ça va péter un moment. Quoi que je suis pas côté Séraphin. Non, je suis côté Wolf en fait. Et ben, on va passer sur le Teco. Hein? Ok. Moi, tant qu'il me voit pas, cassos, hein. Purée. Allez, direction le drive. Ah
L'aide. Ce passage est incroyable. C'est tellement la merde. Je suis avec personne. Détruisez-les. Est-ce que là ça va passer? Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, je pense que je dois aller genre là-bas, hein. C'est la seule chose que je sais. Tombez-les. Moi perso j'ai du mal à jouer au jeu de shoot, mais j'adore regarder The Last of Us. Après oui, si de base votre problème c'est parce que vous avez du mal avec les jeux où il faut shooter, oui ça va se comprendre. Ça c'est un vrai problème, hein. Moi madame justement, elle est fan de The Last of Us, de base elle voulait découvrir le jeu. Mais c'est parce qu'elle vise mal en fait. Elle sait pas. Elle a vraiment pas réussi à gérer les jeux avec des flingues. Donc c'est pour ça. Hein. Je sais pas pourquoi je m'en fais un ou deux gratos. Parce que à part pour me mettre dans la sauce, ça m'apporte rien. Genre c'est vraiment un choix. Hein. Ok. Ok les gars, ok. Oula. J'ai envie d'aller là-dedans, hein. Au diablos. Ok, 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 ok. Ils ont mis des barrages, mais je crois qu'on peut passer. Oh, y'a un cheval! Ok. Les gars, si on peut prendre le cheval. Ouais, bah tant mieux. Laisse les faire. Ah oh non, attends, on est obligé d'aller dans le Diablos. Bah, je le voulais quelque part, mais Hélène et les garçons, là c'est du forcing, hein. Ok. Ah mais le problème c'est que là du coup je vais m'en retrouver Je vais en avoir dans le dos. Attendez, faut réfléchir là, un peu plus que prévu. Ah attends, ça y est, ça se calme. Putain, ça y est, ça se calme. Pas les couilles. Laisse-moi s'enfuir. Ah, repère aide. On va repère aide. Je peux pas vraiment gérer ce passage en étant full fufu en fait. T'es obligé de le castagne au bout d'un moment. Ok les enfants, ça va bien se passer. Par contre pour les carreaux, je me fais chier dessus, hein. Je peux pas en récupérer, hein. Non attends. Dans l'herbe, au moins quand je tire, on me voit pas forcément. Alors que derrière un muret, on voit que moi. Les têtes partent, hein. Les têtes partent. Ok. Ça avance. Et je me fais chier dessus. Ah, un carreau. Let's go. Faut pas regarder sur le déco avant de traverser, madame, hein. Tu vois personne? Non. Bah ça s'est bien passé alors. Et ben showtime. Alors attends. Ouais parce que vraiment pour traverser ce fast-food là les gars, en fufu. En vrai si j'aurais peut-être pu arriver de là. Traverser là. Ouais ça aurait pu se faire. En vrai ça aurait pu se faire. C'était super technique mais ça aurait pu se faire. Et ensuite tu rejoins le cheval et là on part du principe que c'est terminé au sens. Ouais voilà, là je suis de l'autre côté. Ouais, là je suis de l'autre côté. Attends. Ok. Abby, ok. J'ai une idée. Ah, let's go, vas-y balance. Balance, balance. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Le cheval? Vous l'avez déjà, hein. Opération lasagne. On n'a qu'à prendre ce cheval. Yes.
Ah, yes! Ce moment incroyable! Lève! Allez! Tu sais monter à cheval? Faisons-moi! En avant! Yeah. Cataclope! Baisse-toi! Allez, vite, 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 vite! Là, devant! En cataclope! En cataclope! Attendez, attendez, attendez! Le jeu me demande vraiment de tirer en même temps! Eh, hey, les gars, les gars, les gars, les gars, ça fait beaucoup de choses à gérer! Non! Nique ta mère! Nique ta mère! Ah ah allez, go! Go, 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 go! Oula! Oh là, esquive! Putain de merde! Putain de merde! Alors on n'a pas le choix. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Voilà, rien ne nous arrêtera. Ravi. Voilà, voilà. Allez, on... Oh, ok. Ok, bien joué. Casse-toi. Voilà. On y va. Cataclope, 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 cataclope. Poussez-moi. Oh la vache. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, visuellement ça veut rien dire. On est sur un jeu PS4, mais je n'en rappelle. Ouvre-nous. Au cas où. Oh là 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 là. Le cheval. Oublie-le. Et merde. Attends, t'es en train de me dire on finit à pattes là? Non. Ah oui. Ah mais d'accord, on est en plein milieu du problème. Les pontons. Oui, donc je rappelle, on est sur un jeu PS4, hein, qui tourne juste sur une PS5 pour le 60 FPS. Officiellement, le jeu n'est pas forcément plus beau parce qu'il est sur cette console. Hein. Donc le jeu est en l'état comme ça. Eh ben. Mais qu'est-ce qu'il est beau gauche. Attends. Ah d'accord, donc les balles que j'ai tirées quand j'étais à cheval, c'était mes vraies munitions. Génial. Super, tip top. Il me reste un carreau, masterclass. Allez. Attendez, on se dépêche. Voilà, yes. Ok, j'attendais d'avoir de l'eau justement pour me faire une bombe. On y va les enfants, faut fuir, faut fuir. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, mais faut aller là-bas en fait. Opération coup des bouteilles. Attendez, 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 attendez. Les gars, si vous êtes contre moi, vous êtes des bâtards, hein. Je vous aide un peu aussi, hein. Voilà, voilà, continuez de vous fight entre vous. Il y a un mec qui l'a fait creux. Creux. Avant de caner. Oh putain de merde, arrêtez. Ok, 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 ok. J'ai envie de prendre le temps de fouiller quelque part. C'est ouais, c'est un peu plus. Ah la... Ah les balles. Ah merde. Je cherche, hein, je cherche. Je cherche tellement. Ok. Je vois pas la tête. Bon, ça passe. Bien. Oh mon dieu, que ce jeu est beau. Bordel de merde. Ah, oh, ces effets de lumière. J'ai une question pour les personnes qui l'ont fait sur la PS4 Pro. Pro, hein, parce que j'imagine que sur la FAT c'est fatigué. Hein. Est-ce que le jeu tourne en full 30 FPS? Genre sans perte ou quoi? Ou est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu sens que la console fatigue un peu? Au-delà de juste faire du bruit. Non, que je cherche, hein, les gars, moi je suis curieux de savoir. Hein. Parce que là, la PS5, c'est impressionnant. Hein. À part un ou deux bugs, on n'a pas eu de perte d'FPS en soi. Hein. Là-dessus, c'est solide. Hein. Ok, 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 ok. Ah, mais il y a un méchant là. Tiens. Il lui a balancé une cacahuète. J'adore. Ok. Allez, on y va. Maggie.
Attention, Giscard. T'as voulu jouer, t'as perdu. Ah, il est mort, il est mort. Là-bas. Let's go. Ok. Perso, je l'ai fait que sur la PS5. Une fois, j'ai un pote sur PS4 qui a joué, je sais plus laquelle, donc je saurais pas te dire, mais c'était plutôt fluide. D'accord. Ah, c'était plus pour l'aspect technique, pour savoir si le jeu est bien foutu en fait. Sur les quais, personne ne doit s'échapper. Tenez vos positions. Parce qu'en soi, vous avez pas besoin d'une PS5 pour profiter du jeu, c'est mieux. Bah, parce qu'on aime le confort si tu veux, mais ça s'arrête là, hein. Non, je me méfie, hein, parce que la moindre balle de travers, ça pique, hein. Donc je préfère Terminus. Voilà. Les pontons sont de l'autre côté de la colline. Ok, on y va. Tu vas mener les walls, Mario. Oh, génial. Génial. C'est de ta faute, gamin. C'est de ta faute. Tu as déclenché ce Ragnarok. Atreus. Cette merde, c'est de ta faute. Tu es banni de PlayStation, Atreus. Merde. Oh putain. Attends, ça nique vraiment le bout de bois, là. Aïe. Putain, cette balle. J'arrive pas à la voir, elle me saoule. Oh. Et puis là, j'ai pas de... Ouais, non, j'ai pas de médic, hein. Au bout d'un moment, la tête, putain, elle vient pas, hein. J'ai moins de 50% de ma vie, les gars. On va canner, je vous le dis. On va canner. Ok. Y'a plus personne. Quelqu'un aurait pas un peu de vie par hasard? Non, juste au cas où. C'est non, c'est la merde. C'est la merde niveau sup. Allez, on poursuit. Ok. Mais du coup, on va où? Ah putain, là. On y va. N'empêche qu'on a plus Yara dans les pattes, c'est plus simple. Hein. Oula. Oh là là. Ce trauma en devenir. Wouah! Par contre, d'un point de vue action, je crois vraiment que AB a les meilleurs passages. Hein. C'est différent avec Ellie, c'est très différent. Oh putain de merde. En fait, Ellie, elle termine son histoire. AB, elle commence la sienne, donc c'est différent. Je saute en face. Nya! Ok, c'est passé. Atreus! Viens, Kobari! Allez! Putain, il vient pas. Est-ce qu'il vient pas parce que je suis là? Oh. Atreus! Ok, il s'en sort. Pas de panique! La galère, mais laisse tomber quoi. Et puis moi en plus je prends vraiment le temps de chercher des pièces, tu sais, c'est le moment. Attendez. Ouais, j'arrive, t'énerve pas. Je suis un gamers. Est-ce que tu sais ce que c'est un gamers, Atreus? Ça veut dire que je peux défier les lois du temps et de l'espace et mettre pause à ton univers si besoin. Ça fait mal! Ça va! Allez! Ah oh putain de merde! Non, pas le gosse! Non, pas le gosse, le gosse, ce serait horrible. Non, pas le gosse! Dépêche! Non! J'ai dit! Pas le gosse! Allez, viens là, Bigfoot! Je te maudis! Eh ben, maudis-moi si tu veux, chacal! Maudis-moi! Ah, ok. J'ai pas l'esquive du bon côté. Vas-y, viens. Sale wolf! Oh, parle meilleur! Moi, j'aime pas les gens qui me traitent de chien. Ok. Bouya! C'est bon là! Il est pas mort, hein! Putain de merde! Il a une tête de zombie!
Oh non! Il est passé d'un combo de 2 à un combo de 3. Bon. Eh ben, merde, putain, la dernière fois, c'était mieux passé. Ok, on y va. On y va. Ok. Là! Je frappe pas au bon moment, hein. Hop là. Ouais, là, il fait que des coups de 2. Et ensuite, il m'a fait un coup de 3. Esquive! Voilà, c'est maîtrisé! Vas-y, viens! Hop là! Et là! Voilà! Ok, ça va le faire! Nya! Allez! Je pense un coup c'est terminé! Nya! Nya! Bouya! C'est terminé! Meurs! Oh! Alors le truc c'est que tu devais mourir en fait! Ah! J'ai des plus gros bras que toi, ça compte pas! Lâche-la! Il cannera pas cet enfoiré, hein! Il cannera pas! Allez! Alors, je sais pas si. Oui, l'idée, je comprends, hein, mais. Il ne laissera pas faire. Ah, c'est dégueulasse! Oui! Ah, c'était pas sexe du tout! Oh, damn! Est-ce que tout va bien? Ouais, sauf qu'on est à poil, hein! Ok, les gars! On reste en full immersion! On n'a plus rien! Allons-y! Dernière ligne droite! Ce chapitre est monstrueux! Ok, regarde par là! Là! Allons-y! Pousse! Abriter de la pluie. Ouais. Les gars, là, drame droit devant, hein. Bon, je viens de poser la question sur le stream parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment proche de la fin. Mais le chat a l'air de me dire
a l'air de me dire qu'il reste encore du temps. Donc c'est pas dans cet épisode qu'on verra la fin de l'histoire. Cela dit, là on vient de passer un sacré morceau. Ce chapitre était monstrueux. Alors attendez, parce que tout le monde se met pas d'accord. Il y a des gens qui me disent ouais il reste facilement 2-3 heures, il y en a d'autres qui me disent ouais il reste 30-40 minutes. Là, il va falloir vous mettre d'accord les gars. Dans tous les cas, on en est à 40 minutes, donc on a le temps de poursuivre. Moi j'ai Monsieur Chat qui m'a rejoint, là. Donc on a pu regarder la cinématique ensemble. C'était bien. Par contre, là ce qui va se passer les gars, c'est moins bien. Là vous le savez, hein. Là vous le savez, hein. Cette fois-ci c'est le jour 3. On est proche du présent. On est très très proche du présent, mais maintenant j'en suis quasiment sûr, on va terminer le jeu aujourd'hui. Sérieux ? Va falloir faire le tour ? Non, ça passe. Non, ça passe. C'est... Ce passage, il fait très 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 mal. Vous le connaissez, hein, ce passage. Si jamais vous avez pas suivi l'aventure jusque-là, les gars, bah, je suis vraiment désolé pour vous, mais là, c'est pas un reveal, hein. On sait déjà ce qui est arrivé. Ok. Putain de merde. Putain de merde, putain de merde. Ok. Bon, je sais pas pourquoi je cherche des objets, de toute façon, il y en a pas. Là, voilà. Oh la vache. Alice, ou le pire moment du jeu. Un peu, un peu. Mais étonnamment, ça fait mal, mais pas aussi mal que Grizzly. En fait, c'est plutôt que Grizzly, ça m'a fait un espèce d'électrochoc. Parce que j'ai capté à ce moment-là ce qui venait d'arriver. Cette situation-là, tu la vois arriver. Tu sais qu'elle va arriver à un moment où t'as le temps de te préparer. D'abord chercher un moyen d'entrer. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Non, je m'en fous des débats, les gars. Je vous laisse vous faire votre avis dans les commentaires. Choisissez votre équipe. Allons-y. Je ne dirai pas si je préfère AB ou Ellie. C'est très complémentaire, c'est très différent. Toujours avec moi, Lev ? Oui. Non, non, là-dessus, on aura tous notre mot à dire. Allons-y. On cherche ailleurs. Bon. Comment on pénètre ? Par contre, tu vois, je pensais pas qu'il nous ferait jouer cette phase.
Non, non, là, ça me surprend, tu vois. Ah, je crois qu'on a quelque chose. J'hésite à remettre la cam parce qu'en soi, ça va aller assez vite, en fait. Attends, le balcon, d'accord. Et comment je l'atteins, ce balcon? Ah, attendez, je viens de voir l'échelle. Let's go. On y est. Oh. Attrape l'échelle. Prêt? Mais en fait, les gars, c'est pour ça que je veux pas prendre parti, hein. Parce que là, il y en a dans le chat qui sont en train de pleurer la mort de Gad à venir, pour ceux qui savent, si vous avez suivi l'aventure jusque-là. Mais moi, les gars, Gad, il m'a pas marqué, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Gad, c'est Jesse. Hein. Petite blague entre nous. Mais en fait, dès le début, je l'ai pas forcément apprécié, donc moi, sa mort, elle m'a pas touché plus que ça. Par contre, à l'inverse, tu vois, Manny, on l'a pas beaucoup vu, mais le peu que je l'ai vu, je l'ai bien aimé. Donc c'est pas la même chose. Je prends pas débat. Ok. D'accord. Surtout pas un bruit. What the fuck? Ah putain, mais oui! C'est les photos qu'avait pris Ellie quand elle s'est fait kidnapper par le gars à la casquette. J'étais en train de me demander pourquoi ces photos, elles étaient là. Il nous a suivis. Ah, la théorie sur, sur Gad et Diana, bah oui, elle est, là, elle est totalement fumée. Hein. On savait que quelqu'un allait mourir dans cette... dans cette amourette trio. Mais j'avoue que moi aussi je pensais que ça serait plutôt Diana. Reste près de moi. Et que du coup ils se seraient retrouvés comme des cons les deux autres. Alors techniquement à ce moment-là, si je me rappelle bien, Ellie elle est censée dormir à l'arrière du théâtre. Genre dans la partie maquillage, préparation. Non, non, c'est Diana, rien à foutre. J'aime pas Dina, c'est pas beau. C'est Diana et Gad. Et le bro Tommy. Ok. Ça part en sucette maintenant. Foiré de Jesse. Tu crois que je sais pas reconnaître de l'or? Attends de voir ça, mon petit salaud. Tu vas adorer. La main en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde! Tu fais une bête crevée. Ne te retourne pas! Garde-le bien en joue. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche? Putain d'enfoiré! Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! N'écoute pas, je te dis! Toi, tu la fermes! D'accord! Arrête! Stop! Jette ton arme! Jette ton arme! Merde! Non! Je sais pourquoi t'as tué Joël! Il a fait ça pour me sauver! C'est ma faute, y a pas de remède! C'est moi que tu veux! Relâche-le! T'as tué mes amis! On vous avait épargnés! Et voilà le résultat! Attends! Homme! Tommy! Viens vite! Non! Ici. Surveille les portes, la laisse pas partir! Non, 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 pas ça! Non, par contre, pas ça! Non, non, je suis désolé, dans une situation comme ça, quand t'as vécu autant d'heures avec un perso comme l'autre, me faites pas jouer l'un des deux persos! C'est débile! C'est débile! Ça veut dire que vous m'obligez à prendre parti! En mode Ellie est la salope de l'histoire! Non, je suis désolé, mais non! Déjà, en plus, elle a buté Tommy froidement comme ça, sans pression! C'est allé super vite, le scénario qui pète un plomb en deux minutes, hein, vraiment! Non, non, gérez la scène en cinématique et laissez-moi
Laissez-moi tranquille en spectateur. Me demandez pas de jouer une personne. Non, putain, non. Non, bah non, bah non, bah non, pas ça. Pas ça, les gars. Pas ça. Donc là, en fait, vous me forcez du côté des billes, j'aime pas. Ok, elle passe à l'arrière. Si le jeu est bien foutu, et j'espère que c'est le cas. Bon, dans ce cas-là, ça veut pas dire que ça fera forcément différence, hein. Mais si le jeu peut me faire jouer Ellie dans deux petites minutes, là, ça pourrait être grave cool. Parce que m'obligez pas à prendre parti, je veux pas forcément jouer Ellie, ni jouer Ellie. Je veux juste qu'on me laisse tranquille en tant que spectateur, les gars. Ok, ça part en sucette fort. Hein. Ça part en sucette fort. Putain de sale! J'avais dit que cette scène, là, qu'on avait déjà traversée une première fois, avec Ellie justement, elle faisait vachement zone de jeu. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Ok, c'est bien joué. Laisse-moi voir ta tête. Par contre, nique-toi, hein, normalement, je suis censé savoir où aller. Ouais, voilà. Ok, je n'ai pas d'armes. Putain, mais j'ai pas envie. Me laissez pas prendre parti comme ça. Non, mais non, c'est débile. Enfin, j'ai pas envie. Ah, ça me vénère un peu, ce passage. Ça me vénère un peu. J'ai l'impression qu'ils ont mis un boss parce qu'il faut qu'il y ait un boss. J'ai aucune envie qu'il y ait l'un des deux persos qui meurt. Je vais péter un plomb. Oh, Yaskar. Yaskar et Simba. Mufasa. Par contre, attends, je l'ai perdu de vue. Ah, elle est là. Ok. Je fais quoi? Je l'attaque à base de droite. Ok. Je vais te droiter, hein. Hein? Ah pardon, j'ai retiré la caméra parce que je pensais que c'était terminé. Je me suis fait parce qu'elle m'a repéré à la millième de seconde là ou... Attends, mais elle m'a mis un coup de machette, je suis censé faire quoi? Mais non, mais je l'ai eu par derrière et ça a pas marché, alors du coup, c'est compliqué votre histoire là. Je pense que ça m'a vraiment repéré à la dernière seconde et ça a fait la diff. Ok les gars, ok. Voilà, je ne bouge pas, je suis pas là, c'est pas vrai, c'est pas moi. J'aime pas l'idée que le jeu te force à jouer un perso. Vraiment, ça me vénère. Ça va pas forcément entacher l'entièreté du jeu, mais pour moi, ça c'est un mauvais point. Ok, il fallait avoir le truc de l'attaque éclair, excusez-moi, hein. Putain de merde. Ouch. Et là, on fait la même avec des zombies, c'est ça? Esquive. Wouh. T'es qu'une merde. Alors, par le meilleur déjà. Par là. Te voilà. Ah, deux secondes. Ok. Ok, non. Oh, wow. Attendez. Elle est où? Putain. En fait, j'aurais presque apprécié que le jeu te propose deux fins. Genre une fin où c'est Ellie qui gagne et une fin où c'est Abby qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais il doit y avoir quelqu'un qui meurt. Elle vient de se craft un truc là? Tu te fous de ma gueule? Tu viens de te craft un truc au calme? Te fous de moi? Là c'est le moment où j'apprends qu'elle peut se guérir en plein milieu d'un combat? C'est ça? Et que je l'ai dans le baba? Attaque éclair! Pikachu! Yes! D'accord? Je viens de faire mon attaque éclair, qu'est-ce qui a pas marché? Oh, ça a pas l'air clair comme combat!
Oh, ça a pas l'air clair. Attends, elle est où? Je suis où? Attends, je... Ok, elle est là. Ça a pas l'air clair. J'ai appuyé sur carré, hein. L'attaque éclair s'est déclenchée. Normalement, je sais pas, ça a pas l'air très clair. Ok, donc là, se craft un truc. Merde, la chaîne. J'entends. J'ai pas fait gaffe à la chaîne. Ah d'accord, tu rebrouches le chemin comme ça. Bon, de rien toi. Ok. Cette fois, je vais pas retirer la cam, je vais faire attention. Je ne sais pas. En fait, les gars, vous me dites soit furtif. Je vois appuyer, attaque éclair. Je fais une attaque éclair, hein. Je suis à Pikachu, moi. Regarde. Genre voilà. Et pourquoi avant ça a pas marché? Que quelqu'un m'explique. Merde. Les deux en PLS, hein. Ok, là c'est le moment où je boite, c'est ça? Ok, yes. Alors on me dit dans le chat que tout à l'heure, en fait, j'ai pas enchaîné les patates et que c'est pour ça qu'elle m'a eu. Ok, bon, c'est comme dans le 1. Avec le chef des cannibales, là. C'est en 3 rounds. Et le 3ème round, elle devient totalement invisible. Oh putain. Ah et puis maintenant elle a carrément l'arc pour être fufu à donf. Ah d'accord. Excuse-moi hein. Ah, attends, elle a été ici et ensuite. Ok, je la vois. Repérette. La gueule. Elle me voit ou pas? J'ai envie de la fracasse. Non mais je suis désolé. Il faut absolument qu'il attaque éclair. Ce combat est mal fait, j'aime pas. Non, vraiment, j'aime pas. Genre, c'est le seul perso du jeu à qui tu peux pas déclencher un coup comme ça. Faut vraiment que ce soit par derrière, absolument. En fait, c'est un combat qui est verrouillé. En mode, c'est... Ah ! Putain de merde, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait du bruit ? Non, ok, ça doit être ma faute. C'est un combat qui est verrouillé en mode, tu peux le faire que d'une seule manière. Je suis pas trop fan. Ça va avec le reste du jeu, hein, c'est pas ça, c'est juste... juste parce que... Bon, vas-y, je vais leur donner raison, allez, ok. Quelque chose me dit que je suis sur le point de mettre le doigt sur ce qui fait que le jeu est aussi divisé. C'est une putain de blague. Je pense qu'on va mettre le doigt dessus là, bientôt. Le combat en lui-même me va, hein. Mais ouais, il est trop verrouillé. Oh, ta gueule. Non. Elle va vite, hein. Elle cavale, hein. Ok. Elle galope! Vas-y, viens voir, j'ai ma bouteille depuis une demi-heure. Elle est à la fois con et pas con, hein, c'est compliqué. Maintenant. Non! Ah, mais en fait, quand t'es repéré comme ça, en face à face, t'es baisé en fait. T'es complètement baisé, parce que là, si je fuis, elle me la met dans le huc et je meurs aussi. Oh, merde. Mais là, voilà, je suis baisé, je suis en face d'elle.
Et j'avais pas trop le choix en fait. Ah oui, d'accord, ok, attends, deux secondes, tu m'arraches toute ma vie et tu me sors le pompe juste après, deux secondes, wow. Merde, les vases! Cours, Tarasse, cours, Tarasse, je suis mort. J'ai un PV, là je... C'est bon. Non mais en fait c'est un combat qui est mis en scène, c'est-à-dire que c'est pas un boss en l'état où tu le joues 100%, c'est un boss où tu n'as qu'une seule manière de gérer les choses, et cela en fonction de ce qu'ils t'ont demandé, c'est-à-dire une attaque éclair dans le dos et point barre, tu n'as rien d'autre. Ça je le prends en compte, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, si jamais tu te retrouves face à face avec elle, genre vraiment un face à face où tu n'as pas vraiment le temps de fuir, ton premier réflexe, la première fois, c'est forcément une patate. Sauf que si tu fais ça, elle te met un coup de machette. Bon. T'as une seule option pour en terminer. Peu importe ce qui se passe, hein. Elle vient de poser une mine. Ah putain, d'accord. Ok. Je me demandais c'était quoi le truc. Elle est là-bas. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Ça, c'est un choix purement d'élève. Mais je n'aime pas du tout ce qui se passe. Oh oh. En plus, elle cavale tellement vite, je n'arrive pas à la rattraper. Les gars, je boite. Tu veux quoi? Je boite. En fait, dès qu'elle installe des pièges... À l'aide. C'est dur, hein. C'est dur. Je l'ai perdu de vue. Non, tu déconnes? À l'aide, je l'ai perdu de vue. Je l'ai full perdu de vue. Je crois aller là-bas. Allez là. Ok. En fait, je devrais utiliser les moments où elle place des pièges. Ah, on peut prendre la bouteille, lui balancer à la gueule et ensuite la bouillave. Ah putain, d'accord, je savais pas ça. Ok, bien joué elle. J'avais oublié qu'il y avait une mine. Oh la vache, oh mon cœur. Oh mon cœur, c'est si calme. C'est si calme avant que ça pète. On en est où là? Attends. Ok. Donc je peux déclencher une attaque éclair autrement. Putain, c'est bon signe ça. Nya! Putain! Là, tu vois, si je savais ça, en fait, on aurait pu en terminer plus rapidement! Arrête! Stop! Elle a rien à voir avec tout ça! Elle est enceinte. Parfait. Abby. Ok, ce qui vient de se passer avec la cinématique là, ça vient de rattraper totalement le combat. Je suis pas fan qu'on ait été obligé de prendre parti avec Abby pour savater Ellie. Par contre, cette finalité, je l'ai trouvée super intéressante.
mon bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Allez, tout va bien. C'est bon. Waouh! Il s'est passé tant de choses. Bon, alors par contre, c'est clair, hein, à la tête du bébé, c'est Jesse Gad, le papa. Hein. Enfin, c'était. Ouais, comme je le disais, du coup, j'ai pas aimé le combat en lui-même parce que l'idée de jouer Abby, ça forçait un petit peu le ton, en fait. Ça te forçait à choisir une équipe. Ce qui aurait pu être intéressant, je pense, ça aurait été qu'à chaque fois qu'une manche d'attaque se termine, c'est-à-dire à chaque fois que j'arrive à porter une attaque éclair, on change de personnage. Et d'un coup, je me retrouve Ellie. Et d'un coup, je me retrouve Abby. J'aurais bien aimé que le jeu switch comme ça. Parce que t'as passé autant de temps à avancer avec l'une qu'avec l'autre. Donc, au bout du compte, cette fin, bof. Bon, je suis pas trop fan de ce qui s'est passé sur le combat. Par contre, l'idée que en fait tu peux utiliser une bouteille pour faire une attaque éclair, en fait ça utilise tout ce que ça avait apporté dans toute l'aventure. Si tu sais comment déclencher une attaque éclair, tu peux la déclencher plus rapidement. J'ai juste pas pensé en me disant que c'est un boss et que la mécanique change. Cela dit, le combat je l'ai bien aimé en lui-même, mais c'était ultra verrouillé. C'était ultra verrouillé. Bon, bah, il s'est passé du temps du coup. Alors est-ce qu'on est dans une finalité comme pour Uncharted 4 ? Je pense. Hein. Quelque chose me dit que le jeu va se terminer là maintenant, hein, que c'est le dernier épisode. Hein. Ou alors, on va avoir une extension d'aventure avec Abby, et à ce moment-là, on verra bien. Hein. Oui, vous inquiétez pas les gars, hein. Vous inquiétez pas, hein, j'y vais. Hein. C'est juste que, ouais, j'ai pas aimé le combat en lui-même, mais la finalité a un peu rattrapé l'ensemble, donc je suis quand même assez content de ce qui vient de se passer. Du coup, le bébé est né, il a des cheveux... C'est qui ce beau gosse, hein ? Je suis en train de réfléchir, il s'est passé quoi ? Un peu plus d'un an, là, peut-être ? On n'a pas... On n'a pas eu de timeline ? Genre un an plus tard ou quoi ? Donc je sais pas trop où on en est. Ça fait drôle, hein ? Ça fait drôle. Ça, c'est la pièce d'Eli, hein. C'est la pièce d'Eli, hein. Bon, bah, elles ont accepté leurs conditions. Elles ont fui Seattle. Elles se sont trouvées une petite maison de campagne. Dina ! Et elles ont fait ce qu'elles avaient dit, hein. Vivent leur petite vie dans leur coin. À la recherche des quelques trucs à trouver. Attends, c'est Ellie. Dis coucou à Tati Talia. Coucou Tati Talia. Ah putain, c'est la sœur de Diana. Celle qu'on n'a jamais vue. Mais elle avait été citée, hein, au début de l'aventure, je crois. Alors, j'attends de voir comment tout ça va se terminer. Mais il y a des gens qui m'avaient dit que ce serait compliqué de faire une partie 3 à tout ça. En sachant la fin, sans m'avoir spoil, hein, mais... si on va vraiment vers une fin d'aventure, qui ressemble un peu à Uncharted du coup, je commence à me dire qu'effectivement ce sera difficile. À moins qu'on relance la machine avec une autre équipe, à un autre endroit clé, ou peut-être même qu'on fasse un épisode spin-off ou carrément original à tout ça. Hein. Pas drôle. Limite carrément suivre Joël et Tommy après le désastre. Oh ! Ils ont fait les petites patounes du baby ! Excellent ! Ouais, là t'as la photo du trio infernal. Je visite, hein, je prends mon temps. Je pense qu'elle est dehors. Ah bah non, elle est là. Par contre, c'était mieux chez Nathan Drake, tu vois. Parce que Nathan Drake, il avait des jouets. Il avait des nerfs au grenier. À vos ordres. Ok. Je vous laisserai lire chez vous. Hein. On met un peu de musique. Le petit Flo, c'est parti. Ah, t'aimes le boogie. Ok. Et c'est le moment où on perd la monétisation. Showtime. Ah, trop bien. J'adore cette chanson. Yeah. Il ne faut pas grand-chose à ta maman. Yeah. Je suis avec toi, donc je suis pas très difficile. Ça parle mal, hein, par contre. Je vais te bouillir avant, je te préviens. Hein. Allez, viens danser.
Ok. Regarde, c'est déhanché. Tu veux dire ça? Ouais. Oh, regarde, maman. Hmm? Ouh. Oh. Oh, salut, toi. Ça me fait de l'effet, moi. T'es bizarre. Je sais, oui. Ok. Ok, arrête de me distraire. Oui, madame. Allez, c'est bon. Va-t'en. Ok. Oh, hé, hey, je crois que j'ai laissé Oli dehors. Oli? Tu veux aller le chercher? Ouais, bien sûr. Un petit chien? Un petit chien, Oli? Où il est? Je crois qu'il est sur le tracteur. Oli est sur le tracteur. Oli est sur le tracteur, what the fuck? Attends, c'est qui, Oli? Tu veux aller prendre l'air? Wouah! Ah. Wouah, cette vue. Par contre, tu vois, on sent bien que le studio s'est aussi occupé d'Uncharted. Hein. Genre vraiment. Il y a des idées des deux côtés. Hein. Attendez, je suis en train d'émettre une hypothèse là. Non, mais non, j'allais dire des jumeaux, ce serait débile, ce serait pas un bébé. Et de toute façon, Ellie étant une fille, ça va être compliqué de donner naissance à un autre bébé. C'est qui Oli? C'est qui Oli? Oli? Oh! Et Zézé? Ah, c'est la peluche! Hé hey, Oli, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais d'accord! J'essayais de trouver du sens, je comprenais pas! Oh, rigolo, Oli. Attends, bonhomme. Ouais, voilà. C'est joli, non? Eh, tu sais quoi? Un jour, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Quand tes mains seront plus grandes. Et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches. Ça fait rien. Tout le monde passe par là. Ah, c'est doux, hein. C'est très, 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 très doux. J'aurai un tas d'histoires à te raconter quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer. C'est doux, hein. Profitez de ce moment, les gars. Ça fait 30 heures qu'on y est, 30 heures de calvaire. Là, c'est le répit, hein. Pardon. Ma patate, ma patate, mes pattes. On est connecté avec Ellie. Petit gars, on va aller voir maman. Ah, je suis fan. Il y a beaucoup de gens que j'appelle des patates, hein, c'est pour ça. Quand j'étais encore en activité et que j'étais animateur petite enfance, et donc les enfants, je les appelais des patates. Ah, c'est génial. Alors attendez, on m'a dit de me promener un petit peu et de zioter. On m'a parlé d'une barrière et d'un arbre. Alors déjà, j'ai pas la barrière en elle-même. Par contre, ah oui, ils ont pas fait les choses à moitié en fait. Ils ont barricadé, hein. C'est ça la barrière? Attention, il y a de mauvaises choses par là. Ouais, on est très bien dans notre petit truc de paradis là. Ouais, bon, de toute façon, on peut pas l'ouvrir. Team Ellie, les gars, hein. Team Patate, hein. Team Patate. J'en ai rien à foutre. J'ai adoré Ellie, hein. C'est un fait. Je vous donnerai pas mon point de vue par rapport à tout ça, hein. J'ai dit que je resterais neutre. Mais Ellie dans mon cœur, hein. Attendez. C'est celui-là, l'arbre, où il y a un truc à faire? Ah, c'est celui-là. Hey, on va te rajouter là-dessus. Il s'appelle Gigi. J'adore. Voilà, maintenant c'est officiel. C'est tout doux. Ah, c'est tout doux. Je pense qu'on est bon.
Joel Jesse. Ah, il s'appelle vraiment Joel Jesse. Je pensais que c'était pour déconner, moi. Incroyable. Regarde par là s'il n'y a pas un petit truc à faire. Ah, attends. Non, ça m'a l'air bon. Bon, et bah tip top. Je crois qu'on peut y retourner, hein. Cette fin d'aventure. J'ose pas couper, messieurs dames. Je pense que je verrai que tout en une fois et que je ferai la coupure par la suite. Je vais étendre le linge dehors. T'as besoin d'aide? Je pose Gigi et je te file un coup de main, hein. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Où c'est qu'elle est en linge? Sa veste? Ah là. Non, ça va. Joël s'est réincarné. Oh, y a des moutes-moutes. Des baby kebabs. Tu veux le caresser? Là. Voilà, c'est bon. Oh oh oh, doucement, doucement, doucement. Comme ça. Et voilà. Oui. Coucou. Hey, je peux le prendre. Tu peux mettre les moutons dans la grange? Non, c'est bon, je peux m'occuper des deux. Vraiment? Ouais. Il faut que tu te reposes. D'accord, tiens. Voilà. Allez. Voilà, t'es bien là. Tarde pas trop, hein. Il doit prendre un bain. T'inquiète, je suis une pro du troupeau. Let's go! Trop bien ce passage, trop bien! Le dîner est servi dans la grange. Allez, on rentre. Flocon, dans la grange. Flocon. Putain, ils leur ont même donné des blazes, c'est chaud. Daisy, allez, dépêche-toi. Je me demande, est-ce qu'ils les mangent ou est-ce qu'ils en font du lait, du beurre, tout ça? Oh, allez, zou! Tous ces moutons. Voilà. Attends, faut que je ramène tout le monde? On va les compter. Waouh, mais on joue à Red Dead. 2. Bon, je m'endors. Alors, on arrête là. Excellent. Eugène. Allez, hop, c'est l'heure de rentrer. Allez, hop, 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 hop. Bon, c'est quand tu veux, hein. On continue. Oh, ça fait beaucoup trop de moutons, ça. Mais... Hé, hey, qu'est-ce que tu dirais d'en manger un ou deux? Let's go. Goûter. Kebab. Soirée ça kebab va, c'est pas froid. Plus que quelques-uns. Par contre, il n'aurait pas fallu avoir une vache. Quel est l'animal si c'est possible mollo dans une ferme? Ouais, ou carrément prendre un chien, je suis d'accord. Ton. Tu verras, quand tu seras plus grand, tu seras complètement fan de mes blagues. Un chien, c'est un peu la base. Par allez, contre, non, Ellie, je suis désolé, hein, mais qu'est-ce peu importe les générations, personne ne sera jamais fan de tes blagues. Un mouton et une très grosse vache. Une bête énorme. À l'aide. Ah, attends, il en reste? Ouais, ta maman l'aime bien aussi, celle-là. Oh, c'est mignon. Attendez, il reste un mouton. Il reste un mouton. Petit mouton! T'es où? Petit mouton? Ah! Ah non, j'ai cru le voir. J'ai un mini kebab qui a dû fuir parce que je le vois pas. Petit kebab? Il est où lui? On est d'accord que je peux pas fermer la porte parce qu'il en manque au moins un, hein. Attendez, j'ai pas été voir par là. Faut que j'y retourne? C'est un bug, ça arrive? Oh non. Oh no. Ellie, ton humour est questionnable. C'est pas sa faute. Elle a grandi avec des livres de blagues. Ah, ça y est, c'est bon. Allez, à demain les petits potes. Hé hey, comment t'es sorti? Décoincé?
Attends. Tu te caches? Pourquoi tu te caches? Allez, petit gars. Oh! Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Allez, sois gentil. Pourquoi c'est le trauma maintenant? Oh là là, oh là là, oh là! Ok. Non. Putain de merde. Non. Regarde-moi. Trouve le lien, tu es chez toi. Chez nous. Respire, respire. Je peux. Ok, je vais le prendre, d'accord? Viens là. Allez. Je suis désolée. Je sais pas ce que. J'étais en train de. C'est cool. Tu sais, on commençait à s'ennuyer ici. Vraie question. Il reste encore pas mal de temps de jeu, hein, n'est-ce pas? Non, parce que là, ça ressemblait absolument à une fin, hein, parce que y a des codes, y a des trucs et tout machin. La paix après tout ce bordel. Mais quelque chose me dit que je pourrais couper ici facilement, on est d'accord, hein? Je coupe ici pour YouTube? Ouais, on me dit que je suis large. Ok. Bon! Eh bah YouTube, moi qui pensais que c'était la fin, pas encore. L'air de rien, le jeu ne veut pas se terminer parce que la gourmandise est présente. J'espère que cet épisode t'a plu, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très vite pour, je sais pas, savoir si ce jeu est vraiment le GOT de 2020. Allez, de gros bisous, ciao ciao.